Bonjour, ici Christina du blog En harmonie avec mon chien et cette semaine, je vous donne un truc pour apprendre à votre chien à demander la porte pour sortir dehors. Donc là, le but ultime avec ce truc-là, c'est de faire sonner la cloche par le chien pour qu'il puisse sortir dehors. Pour ce faire, il faut qu'on commence par attacher le truc de grelot sur la porte patio. Mais si jamais les chiens ont peur du bruit des grelots, il faut tout d'abord désensibiliser l'animal vraiment au son. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner beaucoup de gâterie en faisant sonner les grelots à côté du chien pour vraiment qu'associe les cloches à quelque chose de positif. Un coup que le chien est habitué au son et qu'il n'a pas peur, là on l'accroche sur la poignée de la porte patio. Et chaque fois qu'on va sortir le chien dehors, on va sonner la cloche. Chaque fois qu'on va ouvrir la porte, on sonne la cloche. Le chien va associer que quand la cloche sonne, la porte s'ouvre. Fait, éventuellement, après quelques essais, le chien va se mettre à donner des petits coups de patte sur la cloche, ou donner des petits coups de nez, passer en dessous, mais il va vouloir la faire sonner pour ouvrir la porte. Parce que dans sa tête, sonner égale ouvrir la porte. Fait que c'est un truc qui marche super bien. On a beaucoup de bons résultats avec ça. Chaque fois que j'ai donné ce truc-là à des clients, ça a vraiment bien marché. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut l'enlever à la longue. Si on trouve que ça devient tannant les cloches parce que le chien exagère, on peut l'enlever. Et d'ici ce temps-là, le chien va sûrement avoir appris à juste donner des petits coups de patte sur la porte, ce qui va être suffisant. C'est déjà tout pour mon petit truc de la semaine. J'espère que ça a pu vous aider. Et dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà essayé et si ça a marché pour vous. Donc, on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. C'était Christina du blog En harmonie avec mon chien. Bye bye tout le monde!